Bonjour, je m'appelle Johan, bienvenue chez CBO à Gênes. Si on parlait aujourd'hui de la CMX 1100 Rebelle, custom déjà phare de chez Honda, mais cette fois-ci en 1100 cm3. Plus de sélecteur, plus d'embrayage, et oui, elle existe aussi en automatique. Et comme tu peux l'imaginer, avec cette cylindrée, on gagne en couple. Non, pas celui-là. En bref, par rapport à sa petite sœur, plus de capacité de réservoir, une meilleure sonorité, et malgré son poids de 233 kg, elle reste super maniable. Bon, plutôt que faire la fiche détaillée, si on allait l'essayer. Catégorisée dans la famille des customs, la position de conduite des rebelles reste singulière. Les cale-pieds pas trop avancés permettent une conduite à la fois cool et sportive. Enfin, sportive, on reste sur un custom quand même. J'en viens donc à son comportement en courbe. Il est plus qu'honorable pour cette catégorie, puisqu'on peut atteindre les 35 degrés d'inclinaison avant de frotter le bitume avec des repose-pieds. Ça en fait donc un des customs les plus polyvalents du marché. Et grâce à sa selle et ses suspensions, ton confort de conduite est garanti. Point de vue moteur maintenant, Honda nous régale avec ce qu'il sait faire de mieux, puisqu'il utilise le moteur de l'Africa Twin, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'imaginer pouvoir faire le Paris-Dakar avec. Comme tu le sais déjà, son bicylindre de 1100 cm3 allie réactivité et couple, et grâce aux 4 modes de conduite, tu peux en plus le personnaliser. Le tout est visible sur son compteur, qui reste épuré mais toutefois complet. Point de vue éclairage avant, la forme ronde lui donne un look rétro, et la technologie LED une touche contemporaine. Comme à son habitude, Honda propose un large choix d'accessoires et d'équipements. Tu l'as compris, cette moto te ravira aussi bien pour une utilisation quotidienne, boulot, resto, dodo, que pour barouder sur tous tes road trips. Et en prime, avec le smiley. Je t'invite donc à venir me retrouver chez CBO Honda pour venir découvrir cette 1100 Rebelle.